Shulchan Aruch dans Siman Kouf Yudal et Saif Bet, il ramène une halakha que sa source c'est le Yerushalmi. Qu'est-ce qu'elle dit cette halakha? On n'a pas le droit de commencer à dire Mashiv Aruch Humored Hageshem tant que le Shaliach Tzibur ne l'a pas proclamé, ne l'a pas annoncé. Donc c'est pour cela qu'on fait Tikkun Hageshem avant Moussaf. Et rien qu'après, on peut commencer à dire Mashiv Aruch Humored Hageshem. Là-bas, dans le Tikkun Hageshem, le Shaliach Tzibur il répète plusieurs fois qu'on va dire Mashiv Aruch Humored Hageshem. Grâce à ça, on peut répondre à la question qu'on a posée hier à la fin. Pourquoi on commençait à dire Mashiv Aruch qu'à partir de Moussaf et pas à partir de Shacharit? Réponse, on ne peut pas faire Tikkun Hageshem juste avant de faire la médaille de Shacharit parce qu'on est en pleine Berchot Kriyat Shema. Si on va le faire, on va les faire juste après Baruch HaTashem Gal Israël. On ne peut pas être mafsir entre Geoula et Tfila. Donc c'est pour cela qu'il ne nous reste que la solution de le faire juste avant Moussaf. Toujours dans ce Sarif, Shulchan Aruch il termine. C'est pour cela que si jamais une personne elle est malade et que le jour de Simchat Torah en Israël, il ne peut pas aller à la synagogue, lui, imaginons qu'il a envie de prier tôt, de prier au Nes. Il finit Shacharit, juste après il fait le Hallel, il n'a pas de Kriyat HaTorah, il veut faire Moussaf. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que même la synagogue la plus tôt qui va prier, ça ne sera pas avant le Nes, elle doit faire Kriyat HaTorah. Et comme on fait monter beaucoup de personnes, donc c'est sûr que ça traîne un peu pour qu'il arrive le Shaliach Tzibur à faire Moussaf. Donc lui aussi, il faudra qu'il fasse attention de traîner un peu, de ne pas faire Moussaf tout de suite après. Maintenant, Ma'adin, si quelqu'un il s'est trompé, pendant cette période-là, on est juste après donc Simchat Torah, on est avant le Zayin Heshvan, et il a commencé à dire Barech Aleinu. Il ne sait pas qu'on continue à dire Barachen. Est-ce qu'il est quitte ou pas? Alors, pour répondre à cette question, on peut apprendre ça d'une autre halakha qui a été écrite par Be'avraham Alioui dans son livre, celui qui a écrit Genat Waladim, à la fin, donc il a rencontré Gan HaMelech. Là-bas, il parle d'un autre cas. Si jamais quelqu'un il a dit Mashiv Aruch Humored Hageshem Lel Simchat Torah, le soir de Simchat Torah, ou bien Ashahari. Il est quitte ou pas? On sait très bien que, dans Shulchan Aruch, c'est écrit dans un Sarif qui est juste après, là, donc dans Sarif Dalet, que si jamais quelqu'un il s'est trompé, il a dit Mashiv Aruch Humored Hageshem dans un moment où on était censé dire Moled Atal, il n'est pas quitte parce que Kshamim, Bakaïs, c'est Simam Klala. Et là, Simchat Torah, on vient de dire qu'on ne dit pas encore Arvit et Shaharit. Rien qu'à partir de Moussaf qu'on commence à dire Mashiv Aruch. Donc, est-ce qu'il recommence? Il écrit donc le Gan HaMelech qui ne recommencera pas. Pourquoi? Parce que de base, c'est le Zman de dire Mashiv Aruch. C'est juste un problème de Agudot Agudot, comme on a expliqué hier. Ou bien le problème de le Shaliach Tzibur doit être Machriz. Mais sinon, c'était vraiment l'Ozman. Donc, c'est pour cela que ça ne s'appelle pas qu'il a fait Siman Klala, donc il ne refait pas. Alors, maintenant, grâce à cette halakha, on peut répondre à notre question. Si jamais il a dit Balech Halen ne recommence pas, pourquoi? Parce que normalement, c'est déjà Zman Kshamim. Normalement, on était censé dire Balech Halen dès maintenant. C'est juste un problème parce que ceux qui vont monter à la fête, les enlèvent Rale et Masukot, si tu leur dis tout de suite Balech Halen, donc ils vont se retrouver dans la route, là, le chemin du retour, il va y avoir la pluie. À cause de ça, ils ne vont plus monter. Parce qu'avant, les routes, c'était, les voyages étaient beaucoup plus longs. Donc, ça leur prenait celui qui habitait à l'endroit de Pelat, donc le plus loin d'Eretz Israël, l'extrémité par rapport au Beth Amirdash, c'était jusqu'au Zayin Hashvan. Donc, ça s'appelle que le Zman, il est encore là. Donc, c'est pour ça qu'il ne recommencera pas. Dernier point, si quelqu'un s'est trompé, il n'a pas dit Mashiv Aruch. Il va triver dans cette fille-là et il l'a avalé. Il a juste dit Mihaim Eti Matav Leoshia Moled Hageshem. Il est quitte ou pas? La réponse, elle est que les deux mots Mashiv Aruch, si quelqu'un il les a pas dit ou bien il les a dit quand il fallait pas les dire, par exemple dans l'été, on dit juste Moled Atal, lui a dit Mashiv Aruch Moled Atal, Benkar, il est tout le temps Yossé. Pourquoi? Parce que le Ruach, il s'arrête jamais. Même en été, on a du Ruach. Donc c'est pas Siman Khilala, donc c'est pour cela que Bakaïs, il est Yossé. En hiver, s'il a pas dit la même chose, étant donné qu'il s'arrête jamais, si quelqu'un il a pas dit alors que quelque chose, de toute façon, Akadosh Baruch Hu nous le donne, on est Yossé, Dehova, on est quitte. Pourquoi nous on le dit alors? Si de toute façon, c'est bien, c'est automatique qu'on est quitte. C'est parce que ça fait partie du processus de la pluie. S'il y avait la pluie sans l'eau, elle ne pouvait pas descendre Béchef avec abondance comme il faut. C'est pour cela qu'on dit aussi ça. Mais ce n'est pas si on n'a pas dit ça, on n'est pas quitte. Si on n'a pas dit, ce n'est pas grave, on est quand même essayé de dire on va.